Bienvenue dans cette vidéo numéro 28 de mon let's play Crusader Kings 2 avec le royaume de Bretagne. Alors j'ai bientôt fini la trêve avec lui, donc je vais pouvoir lui refaire une guerre. Oula, ils m'ont donné 1700 d'or quand même. Oula, stop, stop, stop. Mettre fin au complot. Mettre fin au complot. Alors, je vais organiser une fête s'il n'est pas trop tard. Ah zut, c'est trop tard. Ah non, c'est parce que je suis pas en paix. Ok. Du coup, la trêve avec le Saint-Empire romain arrive à son terme. C'est peut-être lui d'ailleurs qui va me déclarer le premier la guerre, je sais pas. C'est envisageable, hein. Ouais, je peux plus faire de guerre contre l'Angleterre puisque je viens de... Je vais piquer Rouen. Il y en a qui ne m'aiment toujours pas. Stat. Et elle a encore des meilleures stats en fait. Je prends elle. En courant de ce genre de détails. Alors l'église ça va, le pape a vraiment pas la cote. Ça c'est le pape, il a 11 ans le pape, c'est quoi cette blague? C'est pas le pape ça, mais c'est quoi ce délire? Du coup, je sais plus ce que je voulais faire. Du coup, il va falloir que je trouve un territoire pour mon héritier. Il faut que je donne du boulot à lui. Je le mette à rechercher des technologies. Alors, c'est quoi ce truc là? Je sais pas ce que c'est en fait. Pourquoi il y a trois emplacements là?
J'ai beau réfléchir, je comprends pas. Parce que le pape, il est là. Il n'y a pas d'héritier, forcément. Qui c'est qui fout la mer dans le corps? C'est lui, comme d'habitude. Et il essaye de révoquer Auxerre. Il m'énerve. Alors, ils sont en guerre. Ouais, mais ils gagnent. Évidemment que la guerre il va la gagner à chaque fois. Je peux pas la révoquer. C'est pas l'envie qui m'en manque. Alors ça donne quoi cette guerre? Il gagne. Il gagne toujours là. Ouais. Alors les factions qu'il y a contre moi. Et lui, s'il a la tête d'une faction, je comprends pas pourquoi je peux pas l'emprisonner. Je croyais qu'on pouvait emprisonner les traîtres. Voilà, je sais pas pourquoi il y a. Il y a eux qui passent au milieu de mon territoire. Enfin bref, on va rien dire. Ça c'est pas bon. Moins 2 en santé. C'est mon héritier qui a eu un fils. Une fille, pardon. Je pourrais peut-être le faire excommunier, lui. C'est pas possible. Là, je vais faire un château. Là, je peux rien faire. Ah. De toute façon, mes chanceliers sont tous plus nuls les uns que les autres. À part lui, peut-être, le comte d'Auxerre. Mais bientôt il sera plus compte. On va essayer quand même.
voilà. J'étais malade, hein. Je me disais bien que étant malade, ce serait un peu dur. C'est pas grave, un roi jeune sans quasiment aucun bonus, aucun manus, à part Silic. C'est original, il n'y a vraiment rien du tout. Alors les conseillers, il n'a pas changé du coup. L'opinion de mes vassaux n'est pas très bonne forcément au début. Surtout que j'ai pas d'héritier mâle. J'espère que je vais en avoir rapidement. Alors là déjà, évidemment les Français sont toujours les premiers à se révolter, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai monté ça au max, ouais. Alors, c'est parti. Lui est beaucoup trop élevé. J'arriverai jamais à le faire changer d'avis. Donc, on va plutôt essayer de faire changer d'avis les ducs. Oh putain, il leur faut de l'argent. Je vais peut-être plutôt se laisser faire la révolte en France. Ce sera la révolte qui me permettra d'avoir le plus 25 d'opinion pour avoir maté une grosse révolte. Peut-être un bon choix. Toute façon, c'est inévitable, à mon avis. Pas bon en piété. Mois de novembre, je vais faire la fête. La fête, elle est où? Roi de la Golden Horde, enfin un empereur même. Du coup, je peux refaire la guerre à tout le monde, je pense. J'ai perdu toutes mes trêves. Faut que je crée un casus belli pour l'Angleterre. Plus que je ne pensais.
Ah oui, il y en a même un paquet qui viennent pas. Dis donc, tout le monde en fait ne vient pas. Ah, ils demandent beaucoup trop d'argent pour des simples maires. Ils demandent beaucoup trop d'argent. Alors, ce que je voulais faire quand même, c'est vérifier ça. Ouais, c'est pas bon du tout. Donc, je vais m'y mettre quand même. Ah, voilà, une faction dangereuse. Je vais regarder laquelle c'est. Mais à mon avis, ouais, c'est celle-là. Ah, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Alors, il y a l'Aquitaine, il y a l'Auvergne, il y a mon Stewart, comte de Sens, l'Anjou, Orléans, Bourbon, Berry. Valois, Gascogne. Il y a à peu près toute la France, quoi. J'aimerais bien qu'il y en ait un ou deux qui quittent quand même. Peut-être qu'avec ça, certains vont quitter. Non, même pas. Ah, ça fait un poil beaucoup en fait. J'espérais qu'il y en ait un petit peu moins. Ouais, je vais l'utiliser, même si je fais pas la guerre tout de suite. Ça va peut-être pas suffire. Il a 66 ans lui, s'il pouvait mourir là, ça m'arrangerait. Surtout qu'il est blessé, il est possédé. Ah, c'est un croisé en plus. Pourquoi il me déteste autant?
mystère. Ah mais il est mort en fait, enfin. S'il est mort, ça a dû annuler. Ah non, c'est un autre qui l'a pris à sa place. Ok. Et du coup, il a rien contre moi. Mais ah si, moins 72. oui, il me faudrait vraiment un héritier mâle. Ça m'aiderait. Ça m'aiderait vraiment un mec qui est mal quoi. Oula. Ah d'accord. Alors courtier. Ça me va. Alors là, est-ce que je peux... J'ai combien de troupes? J'ai 92 000 troupes quand même. Hein. C'est beaucoup, bien sûr. Je fais déjà la guerre pour le Sussex. Je vais attendre qu'il soit en guerre. Là, il n'y a pas de guerre pour l'instant en Angleterre, donc je vais attendre un peu. Voilà, je crois que... Je crois que mes voeux sont réalisés. Je sais pas où il est, le roi d'Angleterre. Ah, il est là maintenant, c'est vrai. Donc il est en guerre contre Gênes. Donc j'attends un peu. Encore une nouvelle faction. Décidément, les nouvelles factions, ça n'arrête pas. Encore une nouvelle faction, dis donc, ça n'arrête pas, c'est elle. Je peux plus la payer. Lui, je peux plus le payer non plus. En fait, avant de déclarer une quelconque guerre, j'aimerais au moins avoir un héritier fils qui était, ça va pas le faire, allez, un fils. En fait, un héritier fils, ça me donnerait un... Je perdrais ce malus là de 10. Je l'arrêterai celui-là. Allez, 70%. Je préférerais presque avoir la guerre là, franchement. J'ai
je la mate et ça me donnera 25% de bonus. 25 points de bonus de réputation, d'opinion. Ah, je vais faire le tournoi. Pas d'héritier, pourtant elle a des stats, elle a des bonnes stats. Elle est Midas Touch, 15 de fertilité, elle a aucun malus. Moi pareil, je suis Midas Touch. J'aimerais bien le très honnête. Personne n'intéressant à gagner. Sur lui, ah, qui va peut-être remourir, il est incapable, il a dû avoir un accident ou un truc dans le genre. Ça m'arrangerait qu'il remeure. Son héritier, il est comment? Oh, il n'a pas d'héritier, c'est bête. Le régent, c'est l'héritier. C'est original, ça. Partie de la même famille ou pas? Ouais, quand même. Ah, j'ai gagné le trait content. C'est pas mal. Ça va me permettre d'améliorer ma piété. Ah, il y a un héritier fils. Un héritier fils. L'Angleterre a déjà fini sa guerre. Zut, j'ai pas eu le temps de d'en profiter. Oh non, encore une fille. On y va, on s'en fout. Ah, l'Angleterre est de nouveau en guerre. Roi de Mauritanie fait partie de quelle famille? Normandie. C'est original de retrouver les Normands ici. Pourquoi pas?
coup je peux plus lui déclarer la guerre vu qu'on est allié dans une autre, à un autre endroit. Et moi j'ai dit que je faisais pas la guerre tant que j'avais pas un héritier fils. Un héritier mâle. Je suis en guerre contre l'Angleterre en fait dans l'histoire. Ok. Ah, c'est fini déjà? Non, c'est l'autre qui est fini. Ok. Je regarde parce que là j'ai des claims sur des comtés que je connais pas. Ils sont beaucoup trop loin malheureusement. Ils m'intéressent pas du tout. Il est déjà mort. Du coup, c'est bien. Ça le calme, lui, par rapport à avant. Bon. Je peux rien faire, là. Ça m'énerve un peu. J'arrive pas à avoir de fils. Du coup, je suis toujours sur la sellette. Là, j'ai toujours des révoltés à 50%. L'empereur de la Golden Horde, tu viens pas de me marier avec lui déjà? Bizarre. J'étais sûr d'avoir marié une de mes filles avec lui. Enfin, une de mes sœurs peut-être d'ailleurs. Déjà mort, ok. Il est mort jeune, hein. Il est mort jeune là-bas. Si ma femme me donne pas un fils très vite, je sens que je vais m'en débarrasser. Il perd la guerre là en fait. Ah non, 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 il la gagne. Je dis des bêtises.
là, comment ça se fait, quoi? J'ai une bien meilleure armée que lui. Ah, ça m'énerve, ça. Ce genre de truc complètement illogique. Avec exactement la même armée, cette fois, je l'écrase, quoi. Pas de fils. Si disons si fin 55 j'ai pas eu de fils, je me débarrasse de ma femme. Ah, décidément le cash coule à flot. Voilà, toutes ces factions. Ah, je me suis pris un plus 40 là, donc je vais le changer d'endroit. Je vais le mettre là. Que là je vais changer ici aussi, je mets la mortaille. Est-ce que je suis toujours en avance en légalisme? Pas trop, donc je continue à me concentrer là-dessus. Alors j'avais dit que fin 55, j'assassinais ma femme. Je vais commencer maintenant à chercher. J'arrête ça, ça, j'arrête, et ça, j'arrête. Il y a pas mal de monde à me soutenir. Faut croire que ma femme n'est pas très aimée. Mine de rien, je vais très vite être à... plus de 100% largement. Peut-être même être près des 200%. Non, c'est pas ma faute. Je suis à 170%, c'est pas mal. Je sais pas trop à quoi ça correspond.
Ah, il est en guerre contre Gênes. Ça, c'est un gros morceau. Ça va peut-être être l'occasion de lui piquer des morceaux, moi aussi. Scolaire, c'est pas mal. Je pars de très loin en learning, hein, j'étais à 5. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, quelle pétasse. Que là elle va plus du tout m'aimer. Alors on va recruter des nouveaux volontaires, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Là je vais à 230%. Allez, 7%, 7%. Je prends aussi 1%. À 247%. I have a pile. Ah, elle est enceinte. J'aurais pas qu'elle meure maintenant. Ah, si elle me donne un fils, j'arrête tout. C'est bon. Ah, là je vais changer. Je vais me mettre à bosser ailleurs. Remarque mon opinion. Ah merde, il va pas la tuer maintenant alors qu'elle va avoir un fils.
remplacer par une catholique jeune, si possible. Celle-là me va très bien. Elle n'a pas des stats extraordinaires, mais bon, tant pis. Il est plus en guerre contre Gênes déjà. Putain, je loupe toutes les occasions de guerre à cause de ce fils là qui vient pas. Je suis un peu à l'arrêt là, ça me... Ça c'est bien, ça m'ennuie. J'ai loupé plusieurs occasions de guerre. Tout ça parce que... Ah, ok, tant mieux. Du coup, il est considéré de jure. Royaume de... Aïe. Royaume de Britannie. Par contre, c'est bizarre. Cornwall, c'est pas de jure dans le royaume de Britannie. C'est où? Ah non, ouais. C'est le royaume de Pays de Galles. Ok. Alors, le Saint-Empire romain a un nouveau... Roi, entre guillemets, un nouvel empereur, pardon. Alors, Bretonne, ouais. Du coup, j'espère voir fleurir des rébellions. Charitable, ouais, ça me va. Qu'est-ce qu'il fout là, plein milieu de mon territoire? Toujours pas d'enfant pour ma femme. Ah, il est en guerre. Ouais, pas forcément une guerre très intéressante pour moi. Bon, j'ai quand même beaucoup moins de révolte là, donc je vais pouvoir y aller. Je pense que maintenant c'est assez sûr de faire la guerre. Je vais attendre voir ce que donne celle-là un petit peu.
à 0%. C'est une guerre qui est coincée à 0%. Et ça, c'est bien. Ah, enfin un héritier. Alors, je vais améliorer mon martial. Martial, ouais. Enfin un héritier, ça a été long à venir. Du coup, ça a quand même largement amélioré l'opinion de mes vassaux. J'en ai encore quelques-uns évidemment qui font la gueule, toujours les mêmes. Que je peux les acheter. Ouais, je peux les acheter. Si, je peux tous les acheter en fait. Parfait. Alors lui, est-ce que je peux lui faire la guerre ou pas? Telle est la question. Ah, qui c'est qui est mort là? C'est pas le roi d'Angleterre en tout cas. Allez, je vais d'abord faire la guerre pour le Sussex. Il va me falloir beaucoup de bateaux pour transporter mes 90 000 hommes. Enfin, j'aurais peut-être pas besoin de transporter les 90 000, mais... Ça va être dur de trouver des bateaux. Je vais réunir tout le monde à Évreux. J'ai encore un petit comté qui est tenu par les Anglais. Je vais commencer par prendre celui-là. Histoire qu'elle... de me faire quelques points de victoire facile. Il y a trop de troupes là, c'est illisible. Malheureusement. Il n'a pas d'allié. Ok et ok. Alors. On est parti vers le Sussex. Ok, ça c'est fait. Son armée a été littéralement écrasée, il n'en reste rien en fait.
Voilà, il y a une petite révolte chez lui en plus. C'est encore meilleur pour moi, je dois dire. Tout ça, je vais les rappeler chez eux. Là, je peux pas attaquer. Là, je peux pas attaquer. Là, je vais attaquer. Ça va me coûter cher, bien sûr. Mais les hommes, c'est pas ce qui me manque. En plus, je crois que j'ai oublié d'appeler mes réserves personnelles à moi. Je sais plus. C'est bizarre, je suis à 1400, je suis au maximum partout. Étrange ça. Alors, on va lui faire un gros cadeau, le plus gros possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas l'argent qui me manque. Alors, 73, est-ce qu'il accepte? Non. Je vais pas attaquer tout de suite. Oula, il n'y a personne dans la dernière ville. Il y avait 900 défenseurs, je sais pas pourquoi. Il devait y avoir une guerre avant. Ok, c'est la paix. Alors, je vais distribuer le comté. J'en ai pas de dispo. Alors du coup, je vais arrêter ma vidéo là. Elle est comme d'habitude beaucoup trop longue. Juste le temps de démobiliser mes troupes. Mettre mon chancelier à bosser sur les villes là, celle-là. Ok, voilà. Il me reste une petite armée ici. Pourquoi lui il est séparé de son comté? Ah, parce qu'il en a deux. Il y a Gévaudan ici, ah, c'est pas bon ça. Ah, les emmerdeurs, on va se mélanger comme ça. Comté de Gévaudan, comté de Marsan. Non, comté de. Ça c'est comté de Marsan, pourquoi il met Gévaudan? Marsan. Je vais le révoquer. Ah, mais je peux pas le révoquer parce qu'il n'est pas dans mon. Je peux pas le révoquer pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Je sauvegarde et je vous donne rendez-vous pour ce qui sera la vidéo 29, il me semble. A tout de suite.